Arrêtez, arrêtez. Laissez-moi vous expliquer. Vous avez tort, vraiment. Elle s'est occupée de moi. Appelle la police. Tenez, bonne journée. Ne me menacez pas. Appelez la police, on ne bouge pas. Au revoir. Elle m'a dit de venir aujourd'hui. C'est elle qui devrait s'occuper des clients noirs. Madame, ça suffit. Je veux qu'elle m'explique. Vous n'êtes même pas au courant. Je ne peux pas vous traiter de menteur, vous savez rien. C'est vous qui nous agressez en nous criant dessus. Vous nous criez dessus. Baissez d'un ton. Baissez d'un ton. Taisez-vous. Je n'ose pas le ton. Taisez-vous. On ne peut pas en placer une. Cette femme ne comprenait pas ce qu'on disait. Elle s'énervait de plus en plus. Son mari s'en est mêlé. Il devenait ch... Elle m'a appelé. Apportez votre ticket. S'il vous plaît, apportez-le. D'accord, mais elle m'a dit... Apportez-le et on s'occupera de vous. Bah, va le chercher. J'ai encore deux choses à régler. Faites la queue. On va s'occuper de vous. Revenez avec votre ticket, d'accord? J'avais compris, merci. De rien. Si vous appelez pas cette fille, c'est elle la gérante. Et vous mettez quelqu'un d'autre à l'accueil pour s'occuper de mes affaires. Je vous le dis, vous avez tort. Appelez-la, sinon j'éclate cette salope. Je vous le promets. Madame, s'il vous plaît. Je vais en finir avec vous. Venez à ce guichet. Montrez-moi vos tickets. Je veux plus vous voir. On va en finir avec vous pour vous faire sortir. Laissez-moi payer ce que je dois et je vais rentrer chez moi. Je veux rentrer chez moi, c'est tout. Prenez l'argent et rendez-moi mon ordinateur. C'est tout ce que je vous demande. $39.20. Finalement, on a renouvelé ses autres tickets. Et elle n'a pas récupéré son ordinateur parce que c'était trop tard. Mais je veux lui dire. Je veux qu'elle comprenne. Parce qu'elle sait que je suis venue. Bonne journée, Sheila. La journée sera pas bonne si j'ai pas mon ordinateur. Impossible d'en placer une. J'étais ravie qu'elle s'en aille. Je me suis vraiment dit... Ça y est, elle est partie. Dieu merci. Elle reviendra la semaine prochaine. Mais c'est l'histoire de notre vie.